à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de 6 boosters Pokémon. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez pu voir le petit déj de ce matin. Si c'est pas le cas, bah vous avez loupé quelque chose. Hein. Mes petits déj, normalement, ils sont toujours un petit peu intéressants. Enfin, j'espère. Et aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle ouverture, cette fois-ci un petit peu plus grosse. Il s'agit des boosters que je n'ai pas achetés. Ils me viennent de la société VPZ.com en partenariat avec The Pokémon Company International, ceux qui font justement les cartes et les boosters. Ils ont apprécié ma chaîne YouTube, ils sont tombés dessus, je sais pas forcément comment. Dans tous les cas, ils m'ont envoyé un message pour me proposer de m'envoyer des produits justement gratuitement pour mes vidéos. C'était vraiment très très généreux de leur part. Et du coup, bah, grâce à eux, j'ai fait une troisième vidéo. Après les deux petits déj avec le deck et le booster, et bien aujourd'hui on se retrouve avec les 6 derniers boosters qu'ils m'avaient offerts. J'espère vraiment pouvoir avoir la chance dans cette ouverture. Dans tous les cas, c'est grâce à eux que je peux le faire. Et rien que pour ça, j'aimerais bien avoir une shiny, une full art, une ex. Ce serait vraiment terrible. Allez, on réunit les boosters, on arrête de parlementer. De toute façon, cette série, je pense que vous la connaissez tous. C'est quand même la série qui est sortie maintenant depuis un petit moment. On a 4 boosters à l'effigie de Mega Tyranocif en 2 fois. Un Primo Groudon noir, celui-là est réputé pour être normalement assez chanceux, ou pas, que j'ai en 2 fois, en forme déchaînée. Et enfin, on termine par le meilleur des meilleurs, le Mega Rayquaza Shiny. Ouais, j'avoue, il est balèze, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va finir par lui. On va garder les 2 boosters les plus chanceux pour la fin. On va commencer par les ou pas, les Mega Tira, et voilà. Alors, pourquoi j'ai mis un fond de Blade Epic? Parce que je l'ai retrouvé dans mes fonds que j'avais. Je l'ai pas mis depuis hyper méga longtemps, et je trouve vraiment qu'il a beaucoup de charme. Je trouve qu'il est très très marrant. Alors, je suis d'accord, il n'a rien à voir avec la série. Mais bon, hein, on peut bien se faire plaisir de temps en temps, pas forcément mettre un fond en rapport avec la série. Aujourd'hui, je trouvais qu'il était gentil, mignon, enfin voilà quoi. Hein, dites-moi dans les commentaires si j'ai bien choisi. Allez, on va commencer le premier booster de ces 6 boosters, la puissance des jours anciens, en avant pour des ouvertures des boosters origine antique. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Déjà, un petit code comme d'hab, ça ne changera jamais. 1, 2, 3, 1, 2 pour mettre les bonnes cartes à la fin, et on commence avec le premier booster. Alors, déjà une carte que je retrouve dans tous les boosters origine antique, le Balbuto Alphard en commune, Mimigal, Miaouz qui fait petite bronzette, ça franchement il a eu vraiment beau, il a le droit, franchement après ce qu'il a vécu dans celle rugissant, c'est la moindre des choses. Derrière, Magikarp, Tarsal, Farfaduvet, le recycleur d'énergie en dresseuse, Kirlia, première reverse du dragon, c'est pas pour me déplaire, génial, Mucuscule en dragon, bon, il y a forcément plus méchant, plus grand, plus imposant, mais on va commencer doucement, et la bonne carte de ce premier booster, ouais, trop bon, Lugiaex, ah, bah franchement, ça me plaît énormément, il s'agit de l'ex, bah je l'ai déjà malheureusement, mais il s'agit de la plus belle ex à mon goût, franchement, on commence super bien pour le premier booster, c'est juste terrible, waouh. Trop bien, Lugiaex. Alors ça, c'est ma chérie qui va être contente parce que je crois qu'elle ne le possède pas. Ça va vraiment, elle va vraiment être heureuse. Je crois vraiment qu'elle l'a pas. J'espère que je me trompe pas. Mais dans tous les cas, voilà, une ex dès le premier booster. En 6 boosters, ça fait plaisir. L'ouverture est faite, je suis très content. Terrible. La meilleure ex à mon goût. On commence sur les chapeaux de roue, c'est trop bien. C'est dommage qu'ils aient pas mis sa meilleure attaque. Je crois que sa meilleure attaque, c'est Aéroblast. Et à la place, ils ont mis Aéroball et Ouragan Intense. Ça aurait fait beaucoup plus classe avec Aéroball. Dans tous les cas, dites-moi dans les commentaires si franchement c'est pas la meilleure des ex. Personnellement, elle est trop belle, je suis trop content. Et on commence le premier booster avec le chapeau de roue. Franchement, toi, j'ai eu raison de te mettre pour l'ouverture de jour. Allez, deuxième booster, ce sera encore un Oupaex. Si tu peux nous donner la même pioche, je veux bien. Alors, le petit code, on est reparti. Ça a l'air d'être une ouverture qui va s'avérer très fructueuse. Je suis très content, franchement, ça fait plaisir. Allez. Nous aurons dans ce booster Magikarp, Sepiatop, Zarbi, Evoli, très belle carte, Persian, le lien spirituel de Tyra, Colimucus, un Aquali, la seconde reverse, une dresseuse, pas de bol, ce sera une niveau ball. Bon, bah au moins c'est une ball. On aurait pu avoir bien pilier comme le rouleau à peinture. Et la bonne carte du deuxième booster, ce sera une Alphard Golemastock. Golemastock en rare Alphard, personnellement je la connais très bien, j'ai déjà dû la tirer 2-3 fois. Bon, pourquoi pas, c'est normal qu'on ait quand même quelques rares, on a que 6 boosters, faut pas s'attendre à du terrible. Allez, on change d'illustration de booster, on passe à Mega Tyranocif, il est déchaîné mais j'adore parce que j'ai l'impression qu'il est pas si grand que ça en méga quoi, c'est un Pokémon qui est pas forcément très grand, mais je sais qu'il est quand même très puissant.
Allez, on passe au troisième booster. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Allez, j'ai hâte de découvrir toutes les bonnes cartes qu'on peut avoir en 6 boosters. En plus, c'est des boosters cadeaux, alors ça fait vraiment trop plaisir d'avoir des bonnes pioches dedans. C'est vraiment que du bonus, et c'est vraiment grâce à eux que je peux me permettre de faire cette ouverture. Alors, c'est Piatros. Pyronil. Gringolem. Magikarp, le roi des carpes. Ça, j'ai dû le dire tellement souvent que je dois vous saouler avec ça. Ensuite, on a Tarsal. Le rouleau à peinture, ah bah voilà, on a la meilleure des dresseuses. J'adore cette carte parce que je trouve qu'elle est complètement, mais comment on dit ça, un vrai mot technique. Je le trouverai pas, je suis pas fort en français, mais elle a rien à voir avec les cartes de la série. Voilà, enfin qu'est-ce qu'il y a fait là? Un rouleau à peinture dans Pokémon, faudra qu'on m'explique. On continuera avec Colimikis. L'énergie flash, elle est très belle, je trouve que c'est une super énergie. On continuera avec en reverse encore une dresseuse, bon ça c'est pas vraiment beaucoup de chance, le lien spirituel de Janko. Et derrière nous aurons un Pyrax en rare Alphard que je connais très bien. Je l'ai tapé au moins 5 fois, bon bah voilà, une deuxième rare. Pour l'instant nous sommes à 2 rares et une ex, c'est plutôt pas mal hein. Espérons ne pas encore avoir 3 rares. Allez, une deuxième ex ou quelques holos ferait plaisir, parce que franchement j'ai remarqué que les holos, elles sont vraiment très difficiles à choper. Il n'y a pas beaucoup de monde qui tire des holos, et j'ai limite l'impression que les ex sont limite plus fréquentes que des holographiques. Alors, on remet les bonnes cartes à la fin, et on est reparti avec un nouveau booster. Nous aurons cette fois-ci Mimigal, Miaouss, Magikarp, on a vite fait le tour des communes quand même, hein. Tarsal, Misterbe, Pyroli, alors celle-là c'est l'évolution que je préfère entre les, entre les trois, même s'ils ont mis le Voltali, pas que le Aqualie et le Pyroli sont un peu communes, mais le Voltali est en holographique et franchement il est terrible. Mais d'un côté j'imagine même pas ce que celle-là aurait donné en holographique. On continue avec Niveau Ball, Ténéfix, la Reverse, enfin Pokémon, nous aurons Marest et ensuite nous terminerons sur un Porygon Z en rare. Bon, d'accord, pourquoi pas. On va vite passer ça et on continue. De toute façon, on a eu le meilleur booster dès le premier booster. On peut pas faire mieux que ça. Allez, cinquième booster. On enchaîne. Je vais commencer à accélérer un petit peu le mouvement parce que là, j'ai bien pris mon temps pour m'amuser sur les cartes de la série. Mais là, on a déjà fait un peu le tour et on commence à s'étendre. Allez, nouveau booster. Nous aurons donc Porygon, Pyronil, Gringolem, Apitrini, première fois qu'on la voit aujourd'hui, je la trouve très chaleureuse et j'adore quand je la tombe dans un petit déj. Ensuite Marest, le lien spirituel de Pharamp, Jolie Flore, la ville abandonnée, parfait, Pyroli en reverse, parfait, bah, je l'ai commenté tout à l'heure parce que je la trouvais très belle, ça me fait très plaisir de la tomber en reverse, oui j'adore les très. Et la bonne carte de cet avant-dernier booster, ce sera... Ouais, bah voilà, je l'avais demandé, il s'agit d'une holographique et c'est loin d'être la plus moche. Moi je trouve que c'est même la peut-être la plus belle, le Viridium en holographique. Regardez-moi à quel point, en fait ce que j'adore sur cette carte, c'est surtout l'holographisme du ciel, où en fait il y a des couleurs mais vraiment magnifiques, du jaune, du violet, de l'orangé, et puis même Viridium est un super Pokémon, il suffit de lire sa description. Il lacère ses ennemis avec une agilité sans égale, la légende raconte qu'il protège les Pokémon. C'est tout à fait une super philosophie de Pokémon, la carte est juste magnifique, elle va de pair en plus avec le fond de blind épic. Je trouve que l'ouverture est faite, franchement j'en demande pas plus, une holo, une ex en 6 boosters, c'est vraiment très bien. Maintenant c'est que du bonus, on termine avec mon booster préféré, le Mega Rayquaza Shiny, il manquerait plus qu'on tire une ex, ou une full art, ou une secrète, voilà, franchement ça terminerait la vidéo sur les chapeaux de roue, mais je suis très content de cette vidéo, j'ai vraiment passé un super moment à vous ouvrir ces boosters, pas besoin de faire des vidéos de 30, de 50, de 100, enfin voilà quoi, j'essaie vraiment de prendre du plaisir à ma façon, de savourer les cartes et d'essayer de les commenter de la meilleure façon qui soit, et j'espère vraiment que c'est ça que vous appréciez chez moi. Allez, on termine ensemble, nous aurons un Evoli, Doudouvé, Reliquant, Golemastock qui vous salue, ensuite Persian, Lysandre, Apirène, le lien spirituel de Pharamp. On terminera avec le super Regirock en rare reverse. Bon, bah au moins on aura 2 rares en un booster. Ça, c'est une très bonne pioche. Et on terminera la vidéo du jour. Allez, c'est parti! Un Rafflesia en rare. Bon, bah fallait bien terminer sur une rare. Ça aurait été épique de terminer sur une Shiny ou une Full Art. Mais c'est comme ça. J'ai vraiment passé un super moment. Le Regirock en rare est plutôt très sympa. J'adore la pêche qu'il donne. Mais voilà, on en a terminé avec cette vidéo. On va faire un petit récap des 2 meilleures cartes. On a eu les 2 meilleures en premier et en
cinquième. Le Lugia X est juste trop trop bien. Il a vraiment apporté un plus à la vidéo avec le Viridium Holo que j'adore vraiment 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 beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Ça me fait forcément plaisir. Je ne veux pas forcément remettre tous les boosters quand même. On s'en sortirait pas. Mais j'ai pas envie de cacher la tête du blind épique. Donc on va en finir comme ça. Voilà. Pour une fois, je vais changer mon fin de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette ouverture. Et d'ailleurs, pour remercier une dernière fois VPZ.com pour la provenance de ces boosters et leur grande gentillesse, j'ai passé un très très bon moment. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On profite de la fin de journée, on va se reposer. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.